J'en ai plein les fesses, faut que j'chappe le sang. Mes parents, ils sont loin de moi, j'ai sacré le camp. J'ai sacré le camp, 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 camp. Indépendance, c'est vraiment trop parfait, l'indépendance. C'est la seule chose que j'vous demandais. Paiement, tu peux m'expliquer comment on cuisine? J't'allais de la poutine. Paiement, ma chambre sent vraiment arrêtée. Pas de toi, ça sent l'abattoir. L'indépendance, que je pensais l'indépendance. Je me rends compte que je vous aimais, mes parents. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue au spectacle de la Seule Révolte. Par Chenet Lune, Thomas Veillette et moi-même, Justin Lalande. C'est un plaisir. On va vous présenter un peu le... Ben, je vais vous présenter un peu le spectacle. Pourquoi ci et pourquoi ça? Ça va être un spectacle bilingue, premièrement. Dans le fond, c'est grâce à Métropolis Bleu. C'est Métropolis Bleu qui a commencé cette affaire-là, qui a commencé cette série de spectacles-là, qui nous a dit « Hey, voulez-vous participer? » Non, oui, on va participer. C'est Métropolis Bleu, c'est un organisme qui, dans le fond, qui prône qu'on devrait vivre dans un environnement plus multiculturel. Fait que, dans le fond, il y a plusieurs activités pour ça, comme ce spectacle-là, qui est bilingue. Pourquoi c'est bilingue? Parce que Métropolis Bleu. Et c'est ça, on était supposé faire le spectacle avec High School, l'école High School, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, si vous connaissez, bravo. C'est ça, puis mais là, dans le fond, ils sont retirés du projet. C'est la classe 501, le premier en plus, le deuxième fondateur qui nous ont aidés. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Le thème de ce soir, ça va être la Seule Révolte. La Seule Révolte, c'est quoi pour vous? C'est sûr que c'est un thème un peu bizarre. On a pris beaucoup de temps à y réfléchir. On a fait plusieurs activités, plusieurs petits modules qui nous ont un peu. C'est quoi ça, la Seule Révolte? Fait que à travers ces numéros-là qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a décortiqué c'est quoi donc la Seule Révolte. Et vous pouvez vous donner une idée vous-même sur c'est quoi la Seule Révolte. Et donc, le prochain numéro, comme c'est un show bilingue, oui, je parle un peu en anglais, c'est show aussi. Ça va être Barfight. Barfight, c'est un numéro qui a été écrit par Raphaël Joly et Romain Boucher, et qui va être interprété par Mathis Béni, Florence Bayer, Jeanne-Laurent Gébelmore, Claudel Vallière, Rosemary Lévy, Sean Deleven et moi-même, Justin Lalande. Alors, bon bar fight. Marcus, I'd like to ask you something. Can it wait? I'm tired and this week I've been really busy with my campaign. I understand, but what am I to you? Isn't my happiness worth your time? It's not that you're not important to me. It's just that you're not my priority for anymore. That's exactly my point. You're always busy, and don't get me wrong. At the beginning, it was okay for me, but now, children are getting older. Life is getting longer, and I think it's the right time for me to accomplish new things. You're kidding, right? I can't have a woman who's not always by my side. You know it would look bad. It's always about you, you and only you. I'm not a slave, Marcus. I deserve better. You know, I'm smart, I'm strong, I'm a woman. I hope one day I will achieve the social status. Oh, not me. I'm not made for a stressful and important job like you are. But I am. I'm gonna be good for sure. Count on me. I'm sure I will be as good as. Are you dreaming, Bertha? You know it's never.
I have a great news for you, my dear. I found the perfect man for you, and is ready to have you as a wife. Father, we already talked about this. I don't want you to make this decision for me. But you will be better off with him. His parents are well known, and he will have an impressive job. It doesn't matter if he's not my type. He's intelligent, gentle, entertaining. Honey, it's not important. Of course it is. Life isn't only about money, Dad. Alice, listen to me. No! You listen to me. It's my life. I'm old enough to make this decision. I want to find my husband myself. You don't want me to be happy. You just want me to look good. What wouldn't you do to keep your prestige, Dad? Puis l'expression « avoir des papillons dans le ventre » prend tout son sens. Puis ça, t'as le droit de le vivre.
pas son sexe, t'as le droit de l'aimer puis de vivre cette expérience-là. Puis quand on... Tu sais, on se fait mettre dans un moule dès notre naissance. Puis quand il faut sortir de ce moule-là, faut être fait fort, faut être confiant, faut s'aimer. Puis c'est vraiment tough avec la société qui nous impose plein de choses comme ça. Mais aimez-vous, tu sais, foutez-vous des standards, le faites juste être vous-même puis tout va bien aller. Maintenant, pas
Buzz, Josiah Laberge et Rosemary Lavigne. Abuser de ma souffrance, de mon ignorance. Abuser de mon intimité, de ma naïveté. Abuser de moi. Tu m'as pas juste abusé. Tu m'as aussi violé. Thank you.
chaud. Puis là, c'est le moment des remerciements. Premièrement, encore une fois, j'aimerais remercier Métropolis Bleu qui nous a permis de faire ce spectacle-là. Bien gentil de leur part. Et aussi, j'aimerais ça remercier Farah Fessy. Thank you.
c'est ça qu'on va faire pendant ce spectacle. Donc, pour vous présenter le prochain numéro, on va vous présenter, d'abord, là, c'était le pistacle par Lias Kawakalpit, Zorgan Bellrose et Jeanne Orange Bellemort. Félicitations les filles. Yes! Prochain numéro a montré une autre façon de se révolter. On a vu plusieurs façons, comme la chanson, on a vu le théâtre, on a vu des stand-up. Mais, comme on dit, une image vaut mille mots. Alors, on va vous présenter un petit vidéo qui se nomme En chair et en os, par Mégane Forêt, Ariane Massé, Ariane Massé et Josiane Sivigny. Je suis qui? Je suis quoi? Je suis où? Pourquoi je suis là? Je sers à quoi? Est-ce que tout ça a vraiment un but? Ils te disent comment être, comment vivre et pourquoi. Ils te disent d'être belle, mais tu es la fautive si tu l'es trop. Ils te disent d'aimer ce que tout le monde aime, tout en restant toi-même. Mais au fond, je me perds dans le décor. Je commence à croire lorsqu'ils me disent que je suis qu'un amas de chair et d'os. Depuis que je suis jeune, on me dit que dans ma vie, je dois suivre le chemin que tout le monde suit. Aller à l'école de l'âge de 5 ans jusqu'à l'université. Parce que tout le monde sait que l'on doit aller à l'université pour être bien payé. Mais moi, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce travail si bien payé, mais qui m'empêchera de vivre? Finalement, est-ce que ma vie et mon opinion comptent vraiment? Est-ce que je mérite d'avoir mon opinion? Est-ce que j'ai droit à mon opinion? Je n'ai rien de spécial, du moins, c'est l'image qu'on m'impose. La voie dans laquelle on me fait vivre ne me convient plus. Si c'est cela la vie qui m'attend, j'aime mieux ne pas y participer. Mais peut-être que je peux faire ce que j'aime, quitte à manger du crabe dinner à chaque jour. Je peux crier mon opinion haut et fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Je peux vivre pour moi et non pour les autres. Parfois, le chemin qui nous semble le plus facile n'est pas nécessairement celui que nous devrions suivre. Soyez vous-même, sortez des sentiers battus. Créez votre propre destinée et défendez vos valeurs, car vos couleurs vous représentent. De la société qu'on essaye de lui imposer. Puis, on a décidé de faire ça au travers du body painting, des photographies, puis de texte. c'est ça. Excusez. Dans le fond, Ariane a été chargée de montrer ses couleurs en faisant du body painting sur Josiane, qui était notre modèle. Puis j'ai décidé de prendre les photos de diverses façons, de manière à imager surtout mes couleurs, de manière que moi je voyais la révolte. Puis on a fait l'écriture de texte avec Josiane.
pas juste la révolte. C'était la saine révolte. Des façons saines de se révéler contre les personnes qui n'est pas nécessairement une faute du mal, mais qu'on veut se révéler contre. Bref, j'aimerais vous poser quelques questions en public. Vous, là, qu'est-ce qui vous révolte? Vous, monsieur, là, qu'est-ce qui vous révolte dans la vie? Ouais, qu'est-ce qui vous révolte dans la vie? L'injustice. L'injustice. Prends du livre. D'occupation britannique en parle français. Combien de personnes sont mortes, c'est pourquoi elles se battaient. Parce que même si révolte est souvent synonyme de mort, le besoin de liberté en chacun de nous est bien plus fort. L'important, c'est le pourquoi et le comment. Plus les idées de changement sont bonnes, moins les façons dont on s'y prend. Parce qu'après tout ce que le Québec a pu traverser, parce qu'après la pluie, le beau temps et le beau rester. Parce que depuis un bout, on accumule une colère si forte à s'en ouvrir les veines. On sait qu'on serait dû pour une révolution saine. On nous dit de pas s'empêcher de pêcher, d'aucunement s'en faire. On dit qu'ici, ça pourrait pas être pire, que c'est déjà l'enfer. C'est pas juste le dimanche que l'Église a mis le Québec à genoux. C'est pas juste la peine quand on avait les larmes aux joues. Notre colère, on l'a gardée en dedans, la libérant moins souvent. Évidemment, avec le temps, elle a explosé et puis blessé bien des gens. Rébellion patriote, crise d'octobre, crise d'Oka. Au bout du compte, est-ce qu'on a avancé tant que ça?
Puis même si aujourd'hui on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines, on se dit qu'on serait dû pour une révolution saine. Quand on a un passé composé d'imparfaits, on veut plus de conditionnels. Il est impératif de se battre pour notre futur, demande à l'ouriel. Quand on nous a demandé si on voulait être encore un dominion, comme en 80 puis en 95, le Québec a dit non. Difficile d'être Canadien quand on observe le reste du Canada. Can you speak French? Oui, bien sûr, en Ontario, on l'entend pas. Impossible de se faire servir en français partout à Montréal. Dans une province où langue française, est-ce que tout ça est bien normal? Parce qu'aujourd'hui, on est sous dominance américaine. On se dit qu'on serait dû pour une révolution saine. Toujours vu de haut depuis qu'on habite les bas-fonds. L'envie de partir est forte quand on habite les petites régions. Parce que l'argent va et vient, et là, ça va pas bien. Les seuls des champs du Saint-Laurent ont donné tout leur grain. Puis c'est avec quoi on remplit maintenant nos silos, c'est du chagrin. Difficile quand sur nos épaules, on a une famille, et sur nos talons, la faim. Mais parce qu'on peut pas se permettre la richesse des plaines, on se dit qu'on serait dû pour une révolution saine. On est un bel exemple qu'on gagne rien sans effort. Si on a habité le bas, c'est qu'on a tous perdu le nord. Alors on manifeste notre joie de vivre et notre haine pour améliorer nos sorts. Chialer dans les rues au Québec, tout le monde sait que c'est maintenant rendu notre sport. Mais nos maisons chaleureuses ont besoin d'être chauffées quand il fait fret. Difficile quand le salaire augmente beaucoup moins que la dette. On continue de se battre, de se révolter. Parce qu'on ne peut pas tous perdre ce qu'on a gagné. Pour conserver nos valeurs et les rendre de plus en plus humaines, on se dit qu'on serait dû pour une révolution saine. Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, Emiliane Dumont va vous chanter une chanson qu'on a écrite. Ça parle de rébellion, mais on se rebelle un peu contre la perte de l'espoir. Puis, comme ce qu'on dit aux enfants, faut pas les décourager, mais faut pas non plus trop les encourager. C'est un peu un drôle de dilemme, mais on a essayé de mettre ça dans une chanson. Les rêves ne tombent pas tous à l'eau. Il faut seulement en laisser aller. Et si on dit t'es incapable, garde les étoiles et te diront que t'es incomparable, incomparable. Qui t'empêcheront de respirer, ceux qui mettront le feu à tes idées, non plus cette lueur qu'ont tes yeux. Et si on dit t'es incapable, car les étoiles te diront que t'es incomparable. Incomparable. Et si on dit que t'es incapable, regarde les étoiles, elles te diront que t'es incomparable. Bien, c'est important. Tu sais, dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Vraiment pas, même. On est souvent déçu, on est souvent triste, puis les rêves, ils se réalisent rarement. Oublie pas, mon petit loup. Tobo est incomparable, mon incomparable. Tu seras pas capable de tout.
Je veux pas que tu te fasses idée. Je veux pas qu'on te fasse la peine. Mais avant tout, je veux pas que tu te fasses la peine. Parce que non, le monde n'y sera pas toujours de ton bord. Oublie pas mon petit loup. Tobo est incomparable. Mon incomparable. Tu seras pas capable de tout. On va souvent dire que t'es pas assez bon, pas assez grand, pas assez fort. Il y en aura toujours des meilleurs que toi, toujours. Faut pas que tu crois que c'est contre toi. C'est comme ça. Ça l'a toujours été, puis ça va toujours l'être. Que tu le veuilles ou non. Oublie pas, mon petit loup. Tobo est incomparable. Mon incomparable. Tu seras pas capable de tout.